Nous sommes en 2024 et comme tous les ans, nous avons un nouveau Call of Duty qui sort en cette fin d'année. Cette année, c'est Black Ops 6, c'est développé par Treyarch. Et comme tous les Black Ops, nous avons le retour d'un mode zombie classique à manche, jusque là rien d'étonnant. Et quand il y a un nouveau mode zombie qui est annoncé, il y a beaucoup de personnes qui demandent quelles sont mes attentes concernant ce futur mode zombie. Et je peux comprendre la question dans le sens où je joue tous les jours de ma vie au mode zombie, que c'est littéralement ma passion, et que forcément j'ai certaines attentes des fois assez strictes. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'un nouveau Call of Duty zombie est annoncé, j'aime bien faire une sorte de petite liste avec tout ce que j'aimerais retrouver sur ce mode zombie un petit peu pour que ce soit mon opus de rêve et les espoirs que je peux avoir concernant ce futur mode zombie. En bref, je pense que vous avez compris le thème de la vidéo. Au sein de celle-ci, je vais vous présenter mes attentes concernant le mode zombie de Black Ops 6. Avant de passer au vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de cette chaîne YouTube, je parle bien sûr de Oli. Vous l'avez compris, c'est bien sûr une marque de coque de tel... Non, attends, mauvais sponsor. C'est bien sûr une marque de boisson et il y a trois gammes différentes sur le site. Il y a la gamme Iced Tea qui est la meilleure alternative pour remplacer vos sodas qui sont habituellement bourrés de sucre. Il y a la gamme Energy pour remplacer les boissons énergisantes. C'est sans taurine avec de la new calf, ce qui permet d'avoir un effet plus longue durée. Et nous avons également la gamme Hydration qui est idéale pour le sport étant donné que cela contient des électrolytes. Chacune des gammes Oli, c'est sans sucre, arôme et colorant naturel et bien sûr beaucoup plus économique que les boissons qu'on trouve en magasin. Étant donné qu'avec un pot comme ça, on fait 50 boissons. Pour réaliser la boisson, c'est très simple. Mettez de l'eau dans votre shaker, cela représente la moitié d'un litre. Mettez une petite dose de Oli avec la cuillère fournie avec le pot que vous prenez. Vous avez juste à secouer et votre boisson est prête. Si jamais vous êtes vraiment friand de toutes les boissons un petit peu sucrées, les sodas, les boissons énergisantes, et vous avez du mal à passer complètement à l'eau et que vous voulez une bonne alternative beaucoup plus saine, et bien franchement, testez Oli si jamais vous voulez juste essayer la marque. Il y a des starter packs. C'est un assortiment de plusieurs goûts différents des gammes que vous voulez, histoire de commencer pour voir si jamais cela vous plaît. Et en plus de ça, vous avez 10% de réduction sur tout le site avec mon code FLAPIX. Et si vous êtes nouveau client, vous avez le code FLAPIX5 pour 5€ de réduction. Ce qui vous permet notamment de tester les starter packs à moins de 20€. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Et merci beaucoup à Oli de m'accompagner. Pour commencer, on va résumer en bref les informations officielles que nous avons eues à ce jour, qui vont servir de base pour imaginer à quoi va ressembler le mode zombie de Black Ops 6. Nous aurons un mode zombie à manche, comme chaque Black Ops, avec deux maps au lancement. Terminus, qui se déroule dans la prison où ont été envoyés Requiem à la fin de Black Ops Cold War Zombie, qui sera une map sur une île avec des souterrains, des quais... laboratoire. Liberty Falls qui reprend une map du multijoueur qui se déroulerait de jour avec des rues, accès à des bâtiments, bref une map dans une petite ville de Virginie occidentale. Niveau fonctionnalité, on a le retour du système de matériaux, on a les systèmes de déplacement de BO6 avec la course et les plongeons omnidirectionnels, mais aussi le retour des gobblegum avec leur rareté, sans savoir comment est-ce qu'elles fonctionneront, si c'est à l'ancienne ou sous le même fonctionnement que les schémas de MWZ. On a aussi le retour d'un crew de personnages, mais on pourra choisir un opérateur de notre choix si on le désire, un peu comme sur World War 2 Zombie. Si on part avec des personnages du crew, on aura des répliques exclusives par rapport à l'histoire si on les joue sur une map où ils y sont en termes de lore. Maintenant que les bases sont posées au niveau de mes attentes, bah j'attends un mode zombie qualitatif. Voilà, fin de vidéo! Non, pour commencer, on va déjà parler de map, puis tout ce qui tourne autour des secrets, et enfin des fonctionnalités qui en soit la partie la plus intéressante pour cette vidéo. Déjà, le fait de commencer avec deux grosses maps à secret, bah, c'est ce que je voulais. 3 comme BO4, ça fait beaucoup trop pour un lancement, et une genre Cold War et D-Machine, bah, c'était vraiment trop mince. Ensuite, j'aimerais qu'on ait toujours le rythme de map type DLC, donc 4 dans l'année. La première vers fin janvier, début février, la seconde vers avril, la troisième début juillet et la quatrième fin août, début septembre. En termes de qualité, bah, j'aimerais vraiment revoir des maps dans le style de BO3 ou BO4, toutes diversifiées avec chacune leur univers et leur direction artistique assez unique, où t'avais l'impression de découvrir une nouvelle expérience à chaque fois. Du sombre et sanglant à la Blood of the Dead, du classique zombie à la Darai Sentra-re, du lugubre en mode Zetsubou no Shima, du fantastique et mythologique à la Mal Ancien. Bref, une vraie expérience visuelle à chaque fois avec un beau thème et surtout quelque chose de très quali avec une vraie direction artistique. Je veux pas retrouver des maps qui ressemblent à du multi ou du Warzone comme ce fut le cas pour Fire by Z, NWZ ou encore D-Machine, où visuellement et artistiquement,
c'était le néant. Sinon, mon souhait pour Black Ops 6, c'était d'avoir à côté le mode Contagion au lancement. Contagion, c'était le mode semi-open world qui conservait le principe de manche, contrairement à MWZ. Ce qui était dommage avec Contagion sur Cold War, c'est qu'il était sorti à la place d'une map classique en soi. Surtout, qu'il était vraiment vide à son lancement. Maintenant, on a 8 maps, des objectifs variés, plein de world events et surtout 2 secrets. Pour BO6, j'aurais aimé le retour de ce mode Contagion, mais au lancement, avec juste la base du mode et rien de plus. Genre quelques maps, quelques objectifs. Et par contre, entre chaque sortie de map classique, on aurait pu avoir du contenu rajouté sur Contagion pour patienter entre 2 maps DLC. Genre des nouvelles maps, un nouveau secret principal et j'en passe. Ça aurait pu rajouter un peu d'expérience de jeu en plus des maps round-based et du contenu facile à ajouter entre chaque map DLC. Sinon, maintenant, on a souvent des modes zombies secondaires sur les Call of Duty Zombies et j'aurais aimé en bonus le retour du mode Carnage. C'était vraiment génial de pouvoir profiter des maps multijoueurs, mais en zombies, surtout le mode Carnage Endiguement qui était du coup sur les plus petites maps multi, qui était vraiment cool et nerveux. C'était parfait pour farm et enchaîner, c'était vraiment trop plaisant. Ça permettrait d'avoir un bon petit mode secondaire en plus du round base et du Contagion. Et en parlant de mode secondaire, ça pourrait être sympa pour les maps round base de retrouver le mode affrontement de BO4 en vrai. Bon, niveau secret, j'ai pas grand chose à dire, je pense, tout le monde connaît mes attentes. Des secrets moins guidés comme sur Cold War et surtout plus conséquents. Des secrets comme on pouvait avoir sur BO3, BO4, genre des secrets à la Voyage of Despair, Dead of the Night, Nine, Origins, bref, des gros secrets bien cachés et avec beaucoup d'étapes. Et pour finir sur un vrai boss fight. En vrai, à part Légion, les boss de Cold War, c'était en vrai assez bidon. J'aimerais quelque chose au niveau de Malancien en termes de boss et d'arène de boss, avec plusieurs phases conséquentes, un peu challengeant et qui claquent visuellement. Bon, bien évidemment, je veux à tout prix un super easter egg, une récompense pour avoir réalisé tous les secrets du jeu, autre que des emblèmes, et même si c'était plutôt cool et par moments cheaté, mieux qu'une rareté violette. J'aimerais qu'il s'inspire vraiment du Director's Cut de IW Zombie. En mode, tu fais tous les secrets du jeu, tu obtiens une option qui est la récompense. En mode, tous les atouts, des points, des armes de la boîte améliorées, tu dois refaire tous les secrets du jeu avec cette option active pour affronter un boss ultime et ultra dur comme Mephisto. Encore aujourd'hui, le super easter egg de Infinite Warfare reste de très loin le meilleur des Call of Duty Zombies. On pourra en finir sur la partie secret, j'aimerais retrouver des maps riches en side easter egg, comme Forsaken de Cold War qui était vraiment génial, entre le fantôme du père chaolique, la course de RCXD, les cibles pour de l'outil d'éther, bref on en avait pas mal et qui était franchement pas mal varié et qualitatif. Pourquoi pas un side easter egg un peu long et complexe pour un père chaolique, comme les Ghost and Skull de IW, un autre easter egg pour obtenir l'arme spéciale gratuitement, un autre pour un simple père chaolique, encore un autre pour un outil d'éther, encore un autre pour des points bonus. Bref, il y a de quoi faire, mais j'aimerais vraiment que toutes les maps soient riches en side easter egg, ce qui permet d'avoir une map qui devient une expérience complète. Il y a qu'à voir Shadows of Evil de Black Ops 3 par exemple. On passe maintenant aux fonctionnalités et partons sur la grosse fonctionnalité de base de Cold War qu'on retrouve sur Black Ops 6, c'est les matériaux. Personnellement, j'aime bien, c'était un plus et un nouvel aspect de gameplay qui a permis de rajeunir le mode. Après, si on n'aime pas, rien n'oblige le joueur d'acheter de l'armure ou des streaks. Tout comme les gum, c'est totalement optionnel, ce pourquoi sur ZWR, pour Cold War, on avait une catégorie No Armor. Pour les raretés d'armes, je suis pas contre, ça change vraiment rien par rapport à avant, si ce n'est des armes un peu plus viables sur un plus gros nombre de manches. Mais en soi, c'est comme un double tap 2.0, ça permet juste de booster les dégâts avec un petit peu plus de tiers. Et si on veut rester avec la version de base parce qu'on n'aime pas les raretés, on peut, ce sera plus challengeant, un peu plus difficile, mais à l'époque on faisait bien ça, on n'avait qu'une seule rareté simple, donc rien n'oblige d'utiliser les matériaux. C'est comme l'exfiltration, j'espère la retrouver parce que c'était vraiment trop bien de pouvoir mettre fin à la partie avec un petit événement, plutôt quitter la partie en faisant start, quitter. Et j'ai jamais compris pourquoi des gens se plaignaient de ça sur Cold War. Les gars, vous pouvez toujours faire start, quitter partie, ça ne change rien dans ce cas-là. En fonctionnalité, j'aimerais aussi le retour de l'inducteur de carnage. C'était littéralement l'une des meilleures inventions du mode zombie avec Cold War. En gros, de la manche 1 à la 56, on pouvait l'activer ou le désactiver. Quand il était actif, cela mettait tous les zombies en super sprint, comme à une manche 57+, et ça enlevait les 10 secondes d'attente entre deux manches. En gros, ça accélérait de ouf les basses manches, et c'était vraiment un immense bonheur. Pour les gobblegums qui sont de retour, j'aimerais un retour du système des élixirs de Black Ops 4, avec 4 gobblegums qu'on peut activer une fois par manche, mais surtout les élixirs étaient bien mieux équilibrés que les gommes niveau utilité. Il y avait vraiment des gobblegums où c'était juste n'importe quoi et c'était vraiment trop cheaté par moment. Et encore une fois, l'avantage c'est que c'est de l'option, on n'est pas obligé de les utiliser. Si jamais les joueurs veulent ne pas avoir de
bonus genre bubblegum, rien n'oblige ces joueurs-là à les utiliser, ce pourquoi encore une fois sur ZWR, on avait des catégories no gomme, gomme classique ou méga gomme. Petite fonctionnalité un peu plus visuelle, j'aimerais avoir un ATH personnalisable, un peu comme sur Cold War, mais en plus poussé. En plus de pouvoir désactiver la boussole ou les points et textes au milieu de l'écran, j'aimerais bien qu'on puisse par exemple enlever la minimap, même si perso j'ai vraiment aimé ce délire de minimap, et même enlever les médailles en plein milieu de l'écran avec une option. Là c'est purement personnel, mais j'aimerais retrouver une création de classe à la Black Ops 4. En mode, on a notre choix de spécialiste et un choix d'armes assez limité. On avait quand même plusieurs choix d'armes sur BO4, mais là depuis Cold War, avec le fait qu'on puisse commencer avec toutes les armes, bah, la boîte a totalement perdu en utilité. Je préfère toujours avoir un choix d'armes de départ, mais un peu plus limité, genre littéralement les choix d'armes de Black Ops 4. Un petit plus, bah, ce serait le mode studio, ce serait vraiment mon plus grand souhait, c'était vraiment trop pratique pour la création de vidéos, pour ne serait-ce que faire des travelling. Et enfin, mon plus grand souhait, le retour des modes de difficulté. C'était la meilleure chose sur Black Ops 4. Du facile pour les débutants, mais sans les secrets actifs, du normal pour l'expérience classique, et ensuite par exemple du réaliste. La difficulté de réaliste de BO4, c'était ma meilleure expérience en zombie. Faire le secret de chaque map dans cette difficulté, c'était vraiment fou. Et retrouver un choix de difficulté, c'est la feature que j'aimerais revoir vraiment à tout prix. Dans une récente interview, on a Kevin Drew qui a parlé du fait que le mode zombie pouvait être à l'époque assez complexe à prendre en main. Et il aimerait adapter la prise en main pour BO6, bah pour tous les joueurs. Donc j'ai une petite once d'espoir de revoir les modes de difficulté, mais bon, seul l'avenir nous le dira. Enfin, est-ce que je suis hype par BO6 Zombie ? Pour être honnête, non. Déjà pour le moment, dans tous les cas, on a trop peu d'informations pour visualiser le mode. Et malheureusement, leur moyen de communication, le retour du mode zombie à manche, pour faire baver les joueurs, bah, je trouve ça vraiment pas fou en vrai. Dans le sens où on savait depuis Cold War que le prochain Black Ops Zombie serait à manche. C'est littéralement le cas sur chaque Black Ops. Et depuis Cold War, pour ma part, j'ai tellement été déçu de Call of Duty et dans tous les cas de ce qu'est Call of Duty dans sa forme actuelle, avec surtout le système économique qu'on a depuis Warzone. Et après des douches froides depuis 3 ans, bah j'en attends plus rien de la licence. Je reste un fan du mode zombie, donc oui, j'attends quand même avec impatience mais aussi zombie. Et je suis trop content d'avoir la suite de Cold War et un nouvel opus. Mais je suis pas non plus au point d'être hype. Juste content d'avoir un nouvel opus, mais j'évite de me faire trop d'espoir. Si c'est mauvais, bah tant pis, j'aurai mon custom chéri, mon petit Destiny. Et au contraire, si c'est excellent, bah je serai vraiment plus heureux au final. Je suis vraiment en mode, ouais, trop bien, un nouveau mode zombie. Je vais le fumer quand il sortira, mais qu'il soit mauvais ou bon, bah écoute, j'attends de voir. Et je trouve que c'est le meilleur truc niveau vision. Au moins, si c'est mauvais, bon, bah je serai pas déçu, mais si au contraire, c'est bon, et bah j'aurai juste une excellente surprise et je serai vraiment trop content. Et bien voilà les bobals, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une vidéo très détente, on avait déjà eu l'occasion de faire ce format pour le zombie Black Ops 4 ou pour le zombie de Black Ops Cold War. Évidemment ça m'intéresserait de voir maintenant vos attentes concernant le mode zombie de Black Ops 6, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire. Évidemment pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo zombie à l'avenir. Et en tout cas merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, sur ce prenez soin de vous, et à la prochaine, bande de bobals.